Hey les gars, avant de commencer la vidéo, petit jeu de l'intrus. Aujourd'hui, on a quoi? On a plein de Baldi. Il y a un Baldi qui est différent. J'ai pas mis un personnage différent, j'ai mis un Baldi différent. Je vous laisse quelques secondes, les gars. Si vous l'avez vu, mettez un gros like sous cette vidéo et vous mettez pas Baldi parce que ça serait trop facile. Vous mettez le tunnel de Baldi si vous avez vu Baldi, le Baldi différent. Donc je vous laisse quelques secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, c'était Baldi qui était un peu plus bronzé sur en haut à droite de l'écran. Du coup, là, pour tous ceux qui l'ont vu, mettez un gros like sous cette vidéo et un commentaire en me disant le tunnel de Baldi. Comme ça, je saurai qui a vu le Baldi qui était différent. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Allez les gens, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Windows 10. Du coup, il fait nuit. Je mets le jour ou pas? Non. Ok. Y a personne pour me répondre, c'est pas grave. Du coup, on va se mettre comme ça. Donc, comme vous avez vu à la vidéo, on va faire quoi? On va faire ne choisissez pas la mauvaise base secrète. Donc ici, nous avons la base de Baldi, me semble. D'ici, on a la base de Hello Neighbor. Et ici, la base de Granny. Donc, si vous connaissez pas les personnages, ben désolé. Donc, Baldi, c'est un professeur dans un jeu d'horreur, il me semble. Hello Neighbor, c'est un personnage qui est censé être notre voisin et qu'on doit aller chercher quelque chose chez lui ou un truc comme ça. Et Granny, pareil, c'est une grand-mère, un film d'horreur ou autre. Du coup, on va commencer tout de suite, les gars. Donc, on est censé récupérer un truc dans la base de Baldi, de Granny et de Hello Neighbor, enfin, dans toutes les bases, quoi. Du coup, c'est parti, on va aller dans la base de Baldi. Du coup, on rentre, il y a quelque chose. Oh là, ok, j'ai vu Baldi, les gars, je sais pas si vous l'avez vu passer. Ok, vous l'avez vu passer. Donc, juste regarder, visiter un peu le truc. Ah, ok, ça ressemble à une salle de classe. Ok, du coup, en plus, on a les livres sur les côtés. Alors, warning, don't not eat. Alors ça veut dire attention et do not hit, ça veut dire ne pas taper ou un truc comme ça. Du coup on devrait pas taper Baldi. Je sais pas. Les gars, je vais mettre en survie pour éviter d'être trop non plus. Alors game mode, invulnérable je crois on dit ça comme ça. Merde. Ok c'est bon, je suis en survie. Du coup alors attendez, je vois Baldi, il est où wesh. Les gars je vois plus Baldi, je vais casser la vitre, je vais rentrer. You Baldi. Oh putain le screamer les gars, j'ai grave eu peur. Ok donc pour l'instant il a pas l'air de me taper. Peut-être je vais essayer. Donc là, oula ok. Du coup, alors, pour l'instant ça va, il est gentil. Oula il est gentil, gentil, gentil. Gentil Baldi, gentil, 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 gentil. Je ne peux pas taper Baldi gars, je peux pas taper Baldi. Super, du coup, comment faire? Est-ce que je peux casser la vitre? Non je peux. Putain il se met devant le bâtard. Attendez, je vais faire genre il y a quelque chose ici. Je vais attendre qu'il sorte les gars, qu'il me suive. Et après je vais aller dire. Ok, vite, 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 je vais casser le machin. Hop, 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 on récupère le livre. Hop, super, tac, 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 tac. Ok. Hop. Putain, non, 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 laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Putain, merde, je peux pas le taper en fait. Merde. Ok, du coup, on est sorti. Ok, nickel. Du coup, on va voir ce qu'il y a dans le livre, les gars. Donc, ah, FNAF, super. Du coup, en fait, c'est des mots de personnages ou de jeux, je ne sais pas. Donc, FNAF, il me semble, c'est un jeu d'horreur aussi. Ça parle beaucoup d'horreur. On a deux personnages d'horreur, Hello Neighbor, je compte pas ça comme un personnage d'horreur. Et là, on voit FNAF. Du coup, FNAF, peut-être que ça serait dans nos prochaines vidéos, peut-être. Espérons donc, peut-être vous attendre à avoir du FNAF dans les prochaines vidéos. Sûrement. Du coup, on va mettre les livres ici. Tac. Je vais prendre des pommes shit, enfin des pommes dorées au cas où, genre, si les personnages précédents, non pas précédents, genre qui vont arriver, sont un peu plus violents. Surtout qu'Hello Neighbor est un personnage assez violent, il me semble. Oula, il y a Baldi ici, les gars. Wesh. Ok, Baldi vient nous espionner, les gars, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Du coup, voilà, du coup, on se retrouve tout de suite pour passer à la base de Hello Neighbor. Du coup, les gars, on va passer à la deuxième base, donc la base de Hello Neighbor, les gars. Du coup, voilà. Alors, juste avant de commencer la base de Hello Neighbor, je vais mettre en game mode. Donc, tac, 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 game mode 0, il me semble, c'est ça. Tac, ok, c'est ça. Je vais mettre la vue comme ceci. Et on va rentrer dans la base d'Hello Neighbor. Donc Hello Neighbor, un personnage qui est très, on va dire, impulsible. Et, non, pas impulsible. Impulsive, pardon. Un personnage très impulsif et bah, qui peut être dangereux. J'ai pas envie de mourir sur cette map. Du coup, j'ai pris une pomme shield juste avant de commencer. Hop. Du coup, voilà. Alors, on rentre. Warning, 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 warning. Ça veut dire attention, 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 attention. Du coup, je ne sais pas si c'est positif ou pas. Je ne pense pas. Du coup, alors, on va casser ça. Ok, du coup, alors, oula, oula, vous voyez, ok, donc là, il y a Hello Neighbor, j'ai évité de me faire tabasser, parce qu'il a l'air vraiment énervé, regardez sur sa tête, comme il a l'air vénère, du coup, je vais passer peut-être par ici, du coup, alors, attendez, putain, ok, du coup, les gars, là, il essaie de m'encercler, enfin, genre, si je vais de l'autre côté, ah, attends, attendez, non, regardez, il change de côté à chaque fois, si je vais de ce côté,
Ouais, il change de côté, les gars. Du coup, ça va être chaud. On va retourner à l'entrée comme ça. Et on va attendre qu'il retourne vers ses portes, vers le coffre. Parce que j'ai vu qu'il y a le coffre au fond. On va sprinter et on va casser d'un coup. Après, on va revenir. Parce qu'on va pas pouvoir tout casser d'un coup. On va casser une vitre. Après, on va repartir dans le hall. Et après, on va recasser. Ok, du coup, on va mettre à droite. Tac. On va casser aussi ici. Hop, j'ai eu le temps. Ok, il revient, il revient, il revient. Attendez. On va attendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, go les gars. Go, 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 go. Ok, du coup, il est là, il est là, il est là. Non, putain. Non, putain, putain, non, non. Oh, il est nerveux, il est nerveux. Je prends une pomme, je prends une pomme, je prends une pomme, je vais pas mourir, les gars. Tac, ok. Je vais essayer de récupérer. Ok, je récupère le coffre, les gars. Nickel, nickel, nickel. On essaie de se barrer, on essaie de se barrer. Je prends une pomme, je prends une pomme, vite. Vite, je casse la vitre, je casse la vitre. Non, 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 je vais mourir, les gars. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nice, nice, nice. Ok, c'est bon, il peut plus nous suivre. Ok, nice, nice, nice. Nickel, nickel, les gars, on a réussi à survivre à Eloy Naibor. Heureusement qu'on avait les pommes dorées, je pense, sinon j'aurais mouru. J'aurais mouru. Du coup, Gumball. Ok, Gumball qui a commencé à être pas mal présent dans ma chaîne. Ça continuera parce que j'ai vu que vous aimez bien Gumball. Du coup, je vais mettre le jour. Enfin, je vais enlever. Hop, météo, dégager. Tac. Du coup, normalement, il va faire un peu plus beau. Voilà. Et on va mettre le livre avec l'autre. Comme ceci. Du coup les gars, on se retrouve tout de suite pour visiter la map de Granny, enfin la base de Granny. Du coup les gars, on se retrouve pour la troisième et la dernière base. Du coup c'est celle-ci, c'est la base de Granny, donc c'est la grand-mère qui est dans un film, non pas un film, un jeu d'horreur il me semble. Ouais c'est ça, un jeu d'horreur. Du coup voilà, alors, ok donc il y a une vache juste avant, attendez je suis en vue comme ça, je sais pas si on peut taper une vache comme ça. Ah si on peut la taper, nickel. Du coup je sais pas pourquoi elle m'a saoulé avec ces bruits là. Du coup alors, je vais mettre en vue comme ça, je galère à peu près parce que j'ai pas un tapis souris, enfin j'ai mis un cahier, ça bouge tout seul la souris. Bref, on s'en fout, on va commencer tout de suite avec la base de Granny. Ouais je fais l'accent américain mais c'est pas grave. Du coup attendez, je vais mettre en survie bien sûr, quand même, quand même. Game mode, c'est où le game mode? Slash, on va faire comme ça, slash game mode et c'est 1 il me semble. Non, c'est pas lui, c'est le 0 alors. Hop, on va faire comme ça, hop, hop, hop. Ok, c'est ça. Du coup, je vais attendre que les messages s'enlèvent. Au pire, on s'en fout. On va rentrer. Ok, du coup, là, je vois une tache de sang qui est là-bas. Mais on va visiter d'abord l'entrée qui m'a l'air assez complet quand même. Ok, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si on peut sauter ici. Il y a des accès, non? Je sais pas, de l'autre côté peut-être. Je sais pas, on va vraiment regarder à peu près de... Oula, attends. Attendez, tac. Non, ok. J'ai eu un bug. Ici. Attendez. Il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est. C'est vide. Ah, c'est un escalier. Ok, j'ai cru qu'il y avait autre chose. Du coup, on va regarder à peu près partout s'il y a quelque chose. Parce que ça se trouve, Granny nous cache quelque chose. Surtout Granny, je l'ai toujours pas vu. On ira voir après au fond. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là. Attendez. Hop, là aussi. Et là, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on aurait quelque chose à cacher? Non. Que dalle. Il me semble pas. Ici, il n'y a rien, à mon avis. Du coup. Ah, il y a des boutons. Ah non, merde, je suis con. C'est le alambic. Du coup, on va casser. Hop, ça du coup. Là, il y a du sang ici, ici, ici. Du coup, ah, peut-être là, il y a quelque chose, non? Mais il n'y a vraiment rien du tout, les gars. Vraiment rien, bibliothèque et tout. Du coup, alors, on va arriver. Wesh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, c'est une tête là. Il n'y a que dalle, les gars, dans cette map. Vraiment que dalle. Oh putain! Les gars, j'ai pas vu. Regardez, c'est qui là? Regardez, je sais pas si on peut la taper d'ici. Non, je ne peux pas la taper à travers. Mais regardez, regardez, c'est Granny. Wesh. Oh, regardez comment elle est blanche. Oh, cette grand-mère. Oh là là. En vrai, on n'aurait pas dit une grand-mère, les gars. Je sais pas pourquoi ils ont dit que c'était une grand-mère. Enfin, Granny, c'est dire en anglais grand-mère, il me semble. Ou mamie, je sais pas. Mais genre, vraiment pas. Hein. Bon, pour l'instant, elle peut rien me faire. Du coup, j'ai vraiment peur parce qu'elle a l'air vraiment très agressive. Et très effrayante. Du coup, elle était cachée ici. Et en fait, c'est avec la vitre, je ne voyais pas. Je m'étais habitué à les voir à travers. Du coup, on va casser ici. On va casser ici. Ok, 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 ok. Du coup, je vais prendre ma petite pomme shit d'habitude. On va mettre des petits coups à Granny. Allez, on va la foller. On va foller dans Granny. Allez, tiens, Granny, tiens. Ok, donc, oulala, non, Granny est vraiment hardcore, les gars. Ok, genre, je pense qu'on va faire demi-tour et on va charger direct. Genre, mode. Comme ça, les gars. Hop, non, oh non, je le fail, les gars. Je me suis fail. 5, 4, 3, 2, 1. On va passer ici. Hop, hop, hop. Oh putain, elle est sortie, les gars. Elle est sortie. Non, 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 non. Ok les gars, je prends une pomme shit, ok, je tape Granny, hop, vite, je rentre, je prends le livre, hop, tac, ok, je prends une pomme shit, t'es vraiment agressif, ok, nickel, elle a ouvert le coffre sans faire exprès,
J'essaye de partir. Non, putain, mais cramé! Ouais, vraiment agressif, les gars. Wesh, je sais plus où je suis. Non, je vais prendre une pomme shit, je vais prendre une pomme shit. Oh, oh, il me reste de cœur, il me reste de cœur. Les gars, je prends archi cher, archi cher. C'est bon, les gars, je suis sorti. Oh, les gars, j'ai eu grave chaud. Là, franchement, c'est vraiment hardcore. Granit est vraiment hardcore. Je vais mettre le jour, les gars. Ce tac, météo, dégagé, hop. Du coup, voilà. Alors, du coup, avant de regarder, donc, Spider-Man. Oula, Spider-Man. Spider-Man sur ma chaîne, il y en a eu une fois, il me semble, ouais, avec la vidéo Ne choisissez pas la mauvaise maison, il me semble que c'est ça. Du coup, du Spider-Man. Alors, si on reprend tous les livres qu'on a depuis le début, du coup, j'ai récupéré du sang de chez Granny. Alors, du coup, on aurait FNAF, Gumball et Spider-Man. Du coup, on aurait ces trois personnages qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Donc, pour ce qui est de FNAF, jamais venu sur ma chaîne, enfin, si venu, mais très anciennement, du coup, qui va revenir apparemment. Du Gumball qui est déjà et qui continuera. Et du Spider-Man qu'on a vu une fois dans ma chaîne récemment et qu'on reverra pas mal de fois sur mes vidéos. Du coup, ça va être plutôt pas mal. Alors, c'est déjà la fin de la vidéo, les gars. Et oui, c'est déjà la fin. Si vous aimez ce style de vidéo, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo sur ma chaîne, donc ce qui est secrète base, enfin base secrète, pardon, ça c'est en anglais, tout ce qui est secret base, ça fait que c'est l'accent de Granny là qui m'a fait prendre l'accent anglais. Du coup voilà, si ce mode de jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, du coup sinon je leur continuerai pas, mais si ça vous plaît, si qu'il y a pas mal de vues sur cette vidéo, je continuerai ce style de vidéo, c'est franchement moi personnellement ça me plaît vraiment beaucoup. Dites-moi si vous avez des idées de vidéos en commentaire et si vous voulez un personnage spécifique dans chaque base, parce que après ça variera, on va pas faire à chaque fois les mêmes personnages. Si vous avez des idées, vous me dites tout ça en commentaire les gars, c'était Awariz, ciao tout le monde.